Ô Dieu, qui as instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voilà réunis encore ce matin pour continuer notre réflexion. Plusieurs d'entre vous hier ont manifesté le désir de voir en regard à la mission de l'homme, ses difficultés, ses efforts à faire, de voir en regard notre mission de femme et quels sont les obstacles qui peuvent nous empêcher et comment enlever ces obstacles et répondre vraiment à votre vocation. Je ne répondrai pas directement à ce désir très légitime, parce qu'il est trop vaste, à mon avis. Il suffirait à meubler un week-end, si on veut le faire à fond. Sinon, on passerait rapidement en disant des généralités que déjà vous connaissez. Mais je me contenterai de montrer dans le plan de notre fondateur, le Père Valet, la place de la femme. Et il décrit bien ce qu'il attend de la femme. Bon, plusieurs d'entre vous le savent déjà, puisque certaines sont dames auxiliaires depuis longue date, d'autres découvrent, donc pardonnez-moi les redites, mais ça fera toujours du bien de les entendre, et ça nous confirmera dans notre vocation. Nous avions le désir de fêter en 2022, de fêter les centenaires de la Fondation des Dames Auxiliaires. Et en effet, c'est en 1922 que le mouvement est né. Plus exactement, ça a commencé en décembre 1921, où le Père Valet, terminant son troisième an de jésuite, était appelé à remplacer un confrère pour animer la neuvaine à l'Immaculée, dans une paroisse. La paroisse de Cervera, me semble-t-il. Et il s'est dit, eh bien voilà, c'est l'occasion toute rêvée. Durant son troisième an, son supérieur lui avait fait des projets d'action sociale, et il avait tourné et retourné le problème dans sa tête. Il est arrivé à la conclusion que la meilleure action sociale à offrir, en réponse à toute la lettre de Léon XIII qui alertait le problème des ouvriers, surtout la question ouvrière, enfin, l'exploitation des ouvriers par les patrons, enfin, toutes les difficultés sociales de l'époque, il est arrivé à la conclusion que le meilleur moyen de régler cette action sociale, enfin, la meilleure action sociale qu'on pouvait offrir pour régler ce problème, c'était de faire faire les exercices à tout homme. Aux patrons, aux ouvriers, aux enseignants, aux prisonniers, enfin, voilà, c'était la conclusion à laquelle il avait, ce à quoi il avait réfléchi, éclairé par la lumière d'en haut, il était arrivé à cette conclusion. Si bien que ses supérieurs avaient décidé de le nommer à la maison de Manres, maison de retraite, où il pourrait donner cours à son zèle apostolique. Et donc, dans cette neuvaine, il a confié à ces dames ce projet. Elle dit, rien n'aboutira sans l'aide de votre prière. Voilà, donc je vous confie ce projet. Je voudrais arriver à convertir tous les hommes, un par un, à l'école des exercices. Et après, plus tard, il peaufinera encore tout son plan. Mais c'était vraiment ces trois piliers, les hommes, l'évangélisation des hommes par les exercices, pour les paroisses, comme moyen efficace pour faire régner le Christ dans les cœurs et dans la société. C'était ça vraiment qu'il ressentait très fort. Et dans la règle qu'il nous laisse sur notre fin spécifique, il est touché dans notre âme par l'appel évangélique du Christ à coopérer à la conquête du monde pour le Père,
Maintenant, nous sommes réunis pour travailler ardemment à la conversion, la sanctification des hommes adultes, hein, ne pouvant suffire à tout. Ailleurs, il écrit raccourci fantastique. Hein, clé de la conversion du monde est raccourci fantastique. Aller à l'homme, convertir l'homme. Donc voilà, nous allons donc nous voir dans cette œuvre d'homme que le Père va les projeter, quelle est la place de la femme. Nous retiendrons trois points qui suffisent à typer un peu la dame auxiliaire. La dame auxiliaire passée, présente et future. C'est dans des choses fondamentales. Alors on peut dire que c'est une femme qui a compris l'importance et l'urgence de la conversion et de la sanctification de l'homme. Donc d'abord comprendre. Ensuite, une femme qui coopère à cette conversion et sanctification par la prière, par son comportement, par son zèle apostolique. Là, nous reviendrons sur chacun des points. Et enfin, troisième volet, une femme qui, à l'exemple de la Vierge Marie et des saintes femmes de l'Évangile, coopère à l'éclosion des vocations sacerdotales et prie pour leur persévérance et pour leur ministère. Alors, je me suis beaucoup inspirée dans cette présentation des exposés qui avaient eu lieu à la première réunion de dames auxiliaires à Salto le 15 juin 1930. Vous savez que le Père Vallée avait fondé les coopérateurs d'abord à Barcelone, puis, comme il était incardiné au diocèse de Salto par l'évêque de Salto, il avait signifié qu'il fallait qu'il rentre dans le diocèse. Donc, peu de temps après, il est arrivé en 1929 à Salto, et le 15 juin 1930, il y a déjà une assemblée de dames auxiliaires. Donc, il n'a pas tardé à mettre en marche son programme, et les dames ne viennent pas à la traîne tout en dernier, non, non, elles sont là présentes tout de suite. Et les exposés sont faits par les dames elles-mêmes. Quatre dames différentes. On a les manuscrits, à l'époque il n'y avait pas ni internet, ni même de machine à écrire, oui, mais c'était rudimentaire. Et alors on a aussi les corrections au texte de la main du Père Vallée. Tout ça j'ai découvert dans les archives de Salto quand j'ai eu la grâce d'y aller en 1988. Alors là, je ne citerai pas textuellement, mais certains passages, oui, certains passages, je les ai. Vraiment, je vous le signalerai. Alors voilà ce que dit le Père Fondateur dans une lettre qu'il écrit à un cardinal qui plus tard lui a demandé comment on faisait pour lancer l'œuvre dans son diocèse. Il voulait, cardinal Segura du diocèse de Séville, voulait lancer l'œuvre dans son diocèse. Il demandait au Père Vallée, encore de ce monde, c'était en 1942, comment s'y prendre. Alors, entre autres choses, il dit, dans cette œuvre des retraites paroissiales, bien qu'elles soient pour les hommes, l'organisation des dames a une grande importance et il ne pouvait en être autrement. Je me suis trompée dans la citation. Le cardinal Segura, il dit d'abord qu'il faut son importance, l'importance de cette œuvre et son utilité, l'urgence de son application, son grand champ d'action, demandent une vaste coopération. Donc il faut vraiment attirer toutes les forces vives. Et les premières, c'est les dames. Dans cette œuvre des retraites paroissiales, c'était dans la revue Vida Interior, première revue de Salto en Uruguay, donc dans les années 1930. Bien qu'elle soit pour les hommes, l'organisation des dames a une grande importance et il ne pouvait en être autrement. Car l'action de la femme chrétienne dans un apostolat d'une transcendance sociale si décisive, allez, vous remarquez ce que nous disait hier Bertrand Chevalier, la répercussion sociale de la crise de l'homme. Dans un apostolat d'une transcendance sociale si décisive, l'action de la femme peut être, et nous en avons la preuve, de grande efficacité. Que ne peuvent pas réaliser sur ce terrain les femmes par leur douce et sainte ténacité, une insinuation constante avec la discrétion spéciale dont la femme sait user à merveille. C'est à peu près les termes qu'employait aussi Bertrand Chevalier hier
hein, pour dire comment la femme pouvait convaincre l'homme de faire une chose, hein, par la douce et sainte ténacité, et une assignation constante mais discrète. Comme ça, des petites touches, un peu comme l'Esprit Saint, hein, de temps en temps, il remet une couche de temps en temps, mais très délicat, afin que l'homme prenne sa décision lui-même. Dans un autre numéro de la même revue, on lit encore. On a toujours dit que la générosité et la noblesse de la femme se retrouvent dans toutes les grandes actions de l'humanité, y participant activement. Et cette participation ne pouvait en aucune manière manquer à l'œuvre de salut qu'apportait le Père Valet. Donc si l'œuvre CPCR est une œuvre d'homme et leur est destinée, ce n'est donc pas faute d'apprécier les qualités de la femme ou l'importance de son rôle. C'est un choix inspiré par la grâce de l'Esprit Saint qui fait sentir au fondateur un besoin particulier de l'Église à un moment déterminé, à savoir ici la conversion, la sanctification de l'homme, on dit aujourd'hui son évangélisation, pour laquelle est requise une vaste coopération et où les femmes ont une place importante et décisive. Si elles ne sont pas la cible directe de cette œuvre, elles en sont les associées nécessaires et indéniablement les bénéficiaires privilégiés. Alors commençons par nous poser la question, qui est la dame auxiliaire? Dame auxiliaire, certaines nous disent, oh, ce nom c'est bizarre, Bon, peut-être qu'il n'est pas bien choisi, peut-être on pourrait en trouver un mieux. Le Père Valet, lui, les appelait au début dame patronesse. Plus tard, dame protectrice. C'est des termes qui font sourire aujourd'hui, mais qui en disent toutefois bien long. Parce que, hein, penser dans une œuvre d'homme, c'est une œuvre d'homme qui demande à la femme son patronage, sa protection. Auxiliaire, ça veut dire aide. Et ce mot a été choisi par Dieu pour désigner Ève, justement, le rôle d'Ève. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Donc voilà, dame auxiliaire, on peut trouver son origine dans la Sainte Écriture, ce qui est un bon point. Donc la mission de la dame auxiliaire se situe tout à fait dans la ligne de la vocation de la femme, vocation d'épouse et de mère. À la femme, Dieu a confié l'homme, nous dit Saint Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique sur la vocation des laïcs. Assurément, poursuit-il, l'homme a été confié à tout homme, mais d'une façon particulière à la femme, parce que précisément, la femme, grâce à l'expérience spéciale de sa maternité physique, semble dotée d'une sensibilité spécifique pour l'homme, pour ce qui constitue son véritable bien. Donc voilà la dame auxiliaire, premier point que je vous annonçais, une femme qui a compris l'importance d'une œuvre consacrée à la conversion et la sanctification de l'homme. Une femme, ça peut être une jeune fille, une femme mariée, une épouse de retraitant ou non, une veuve, une femme seule, voire même une religieuse. Et nous avons des religieuses qui vraiment prennent à cœur cet apostolat et nous, toutes les années au vœu de Noël, elles nous confirment leur participation à cette mission. Toute femme peut être dame auxiliaire. Et c'est une femme qui a compris. Comprenne qui pourra, dit Jésus dans l'Évangile, quand il parle de la vocation à la consécration, à une consécration religieuse. Ça la vaut pour toute vocation. Le même Esprit Saint qui a fait comprendre au fondateur certaines nécessités spécifiques, par exemple l'enseignement, l'assistance des pauvres, eh bien, il accorde cette grâce à ce qu'il veut donner à ses œuvres comme collaborateur. C'est une participation, donc, aux mêmes grâces que les grâces du fondateur, qui est partagée à tous ceux qui veulent, qui sont appelés à continuer cette mission. Et cette femme, elle a compris quelque chose des aspirations du Christ. C'est ça la source de tout, les aspirations du Christ. Comme je vous disais, ces mots que le Père nous écrit dans les règles,
touchés dans notre âme par l'appel du Christ à coopérer à la conquête du monde entier pour le Père, nous nous sommes réunis pour travailler ardemment au salut du monde et des âmes, en nous consacrant particulièrement à l'évangélisation des hommes adultes. Et face à la dérive actuelle de notre monde et à tout ce que nous déplorons, souffrons et pouvons craindre, comprendre que le salut se trouve dans l'établissement du règne de Dieu que le Christ a voulu instaurer. Règne de vérité et de vie, de sainteté et de grâce, de justice, d'amour et de paix. Toutes les réunions au sommet, bon, elles ont leur raison d'être, mais la condition pour arriver à cette paix que tout le monde cherche, est censée chercher, eh bien, c'est le règne du Christ. Donc, communier aux aspirations profondes de ce cœur plein d'amour et de miséricorde. Les pensées de son cœur subsistent d'âge en âge. Arracher les âmes à la mort et les nourrir dans leur faim. C'est la fin de l'évangile d'aujourd'hui aussi, je suis venue pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Il s'agit d'une question de vie et de mort. De chaque personne en particulier et de notre société, de tout l'ensemble de l'humanité. Comprendre que pour réaliser ce travail gigantesque, le salut du monde entier, auquel est appelé tout baptisé, le Père Valet, le tout petit Père Valet, qui se considérait comme un pygmée, enhardi par la foi. Un tout petit homme, et sa force était dans la foi. « Je suis un pauvre pécheur, mais j'ai la foi », disait-il en tapant un grand coup de poing sur la table. Eh bien, l'Esprit-Saint, lui a offert une clé, lui a fait découvrir la conversion et la sanctification de l'homme comme clé de la conquête du monde pour le Christ roi, raccourci fantastiquement pratique. On raconte, pour illustrer ça, l'histoire d'un petit enfant qui avait reçu à Noël un puzzle. Donc, la boîte de puzzle était bien faite, et c'était le monde, la boule du monde. Alors voilà, il voyait tout ça, et puis, bien sûr, c'est normal, il défait la boîte, et il mélange toutes les choses, et il faut reconstruire le puzzle. Mais alors, pauvre petit, il n'avait pas fait sa géographie encore. Alors il mettait l'Inde, et tout cherchait où mettre la pointe de l'Inde. Et il n'arrivait pas, et il se met à pleurer, et il va vers sa maman. Alors la maman lui dit, écoute mon petit, allez, ne fais pas de soucis. Elle le tourne de l'autre côté. Écoutez, c'était une tête d'homme. Alors c'était facile à refaire, les yeux, il savait où les mettre, le nez, la bouche, les oreilles. C'était familier pour lui. Ah ben c'est la clé de la conversion la conquête du monde, oui, c'est refaire chaque homme en particulier. Ne pas rêver de coups de filet extraordinaires où on convertirait tout le monde. Encore que les apôtres, de leur temps, 3000 s'étaient convertis, 5000 s'étaient fait baptiser peu après la Pentecôte. Donc, on peut aussi rêver de grands coups de filet, mais ce n'est pas le normal. Mais par contre, la pêche à la ligne, comme disait Claire Vallée, c'est ce qui marche. Alors donc, refaire les hommes un par un pour refaire le monde, voici le raccourci que nous offre l'œuvre CPCR. Nous nous sommes réunis pour travailler au salut du monde et des âmes en nous consacrant spécialement et exclusivement aux hommes adultes de toutes les classes et de toute la terre, étant donné leur importance capitale pour le bien de tous les autres. C'est en effet dans les mains des hommes que résident les moyens les plus puissants pour influer dans tous les domaines de la vie et des activités de l'humanité. Ça, c'est, je cite le Père Valet, là. L'homme, le chef de famille, le patron, l'autorité, le prêtre. L'homme garde entre ses mains la puissance, la force, l'influence la plus décisive en toutes choses, y compris le sacerdoce. La presse, les spectacles, les affaires, le gouvernement des États ne sont-ils pas en grande partie aux mains des hommes ? Écrivait-il aux premières coopératrices. Maintenant, évidemment, ces raisons sont remises en question. Il y a des femmes qui sont aussi compétentes, il y a des femmes qui sont très influentes, n'est-ce pas ? Et effectivement, quand il s'est agi de l'approbation de nos constitutions, le Père Valet, je veux dire, dans ce qui concernait les sœurs, disait « L'aspiration la plus ardente de ces coopératrices doit être de se voir se créer et développer en chaque paroisse. » Non, c'est pas ça, pardon. Ça viendra après, ça, mais... Oui.
Oui, les coopératrices s'efforceront de bien se pénétrer et de faire en sorte que les personnes de leur relation, en particulier les dames auxiliaires, hein, se pénètrent de l'importance capitale de la conversion et sanctification de l'homme adulte, en considérant sa force, son pouvoir et son influence dans le monde, dans la famille, la politique, les arts, la presse, les spectacles, etc., dans la Sainte Église elle-même. Donc c'était ça qu'il disait. Et l'Église, au moment d'approuver nos constitutions, nous a dit, écoutez, plutôt que de force, de pouvoir, d'influence, dites, hein, mission. Alors c'est comme ça que c'est resté. Étant donné l'éloignement de Dieu et l'abandon spirituel où les hommes souvent se trouvent et leur responsabilité dans le monde. Voilà. Allez, donc les raisons de nous limiter à l'apostolat des hommes, hein, leur abandon spirituel, qui est une réalité. Après, vous me direz, ben, aujourd'hui les femmes sont aussi très abandonnées, c'est vrai, mais bon, on ne peut pas tout faire à la fois. Et puis, leur responsabilité. Hein. C'est plutôt une question de mission, de vocation. Ce n'est pas une lutte de pouvoir qui est plus capable, c'est une question de mission, comme nous disait très bien M. Bertrand Chevalier hier, hein, qu'il devait rassurer l'homme, non seulement en tablant sur ses qualités personnelles, mais sur sa mission, hein, pour laquelle le Seigneur le confirme dans cette chose à faire. Donc, je pense que c'est très important de bien nous ancrer là-dessus. Donc c'est ça, aujourd'hui, plus volontiers que de pouvoir et d'influence, nous parlerons de mission, rôle spécifique et irremplaçable de l'homme au sein de la famille et de la société. La femme, elle aussi, a son rôle spécifique et irremplaçable, également, mais différent. On dit généralement que c'est la femme qui donne le ton aux relations sociales, par contre, c'est l'homme qui donne le ton à la société. Donc, dans un souci d'efficacité inspiré par la grâce, le Père Valais cible un point précis vers lequel il fait converger tous les efforts de son œuvre, l'homme. Cet homme, si souvent éloigné de l'Église, abandonné spirituellement, distrait et absorbé par les affaires ou englué dans la recherche du plaisir, quel ton, quelle direction va-t-il donner à notre société ? Il est nécessaire de travailler avec abnégation pour donner à l'Église le plus grand nombre de chefs ou futurs chefs de famille, de directeurs d'entreprise, de tous ordres, surtout de ceux qui pourraient avoir eu plus d'influence sur l'orientation spirituelle et religieuse des hommes dans la grande campagne de christianisation ou recristianisation de la société. Former des hommes capables de remplir leur mission à leur niveau. Donc prendre les hommes un par un, les amener au cénacle que sont les maisons d'exercice, où l'Esprit Saint réalise encore de nos jours des merveilles, des transformations admirables. Dans toutes les retraites, on le constate encore aujourd'hui. Aider ces hommes à rayonner leur foi dans leur milieu familial, professionnel, social, à s'engager dans leur paroisse. On a vu que le problème de l'homme, c'est qu'il ne veut pas s'engager. Et la paroisse est la concrétisation locale de l'Église, qui est le règne du Christ sur la terre. Donc voilà donc notre plan d'action. Maintenant, je vais céder la parole à Catalina Savio, une de nos oratrices de Salto, lors de la première assemblée des dames auxiliaires dont je vous ai parlé. Cette œuvre des exercices paroissiaux répond parfaitement aux nécessités les plus urgentes de l'époque et s'occupe des plus abandonnés de notre temps. Cette œuvre doit nous être très chère à nous, femmes. Nous devons savoir l'apprécier, parce qu'elle ne se contente pas seulement de christianiser l'homme, l'époux, le père, l'autorité civile ou militaire d'aujourd'hui ou de demain, mais elle cherche encore à le faire persévérer, à le perfectionner, à le sanctifier. La perfection et la sainteté de l'homme doivent être la racine de la perfection morale et de la sainteté de la famille et de la société. Avec un époux saint, un père saint, un frère saint, un fiancé saint, pourquoi pas, comment ne pas nous sanctifier, nous aussi. Le Père Valais disait aussi prendre conscience de l'urgence, une femme qui a compris l'urgence de cet apostolat. Ah, il faut reconnaître que dans notre 21e siècle, qui est déjà bientôt à son premier quart, marqué par le matérialisme, l'athéisme pratique, l'hédonisme,
l'homme semble avoir été touché plus encore que la femme. Le synode dont je vous ai parlé sur l'apostolat des laïcs, c'était en 1988, mais enfin, c'est encore d'actualité, déplore l'absence ou la présence insuffisante des hommes. Il souligne qu'un certain nombre se soustrait à ses propres responsabilités ecclésiales, de sorte que seules les femmes s'emploient à y faire face. Ceci est notable pour leur participation à la prière liturgique à l'Église, l'éducation, en particulier la catéchèse des enfants, la présence aux rencontres religieuses et culturelles, la collaboration aux initiatives de charité et aux entreprises missionnaires. Un de nos retraitants de Paris, M. de Saint-Vincent, avait collaboré à fonder un groupe d'hommes catéchistes, ainsi dans les années 80-90, et ils avaient été très encouragés par l'archevêque de Paris qui disait ben, « Jusqu'à maintenant, on n'a que des dames, effectivement. » Ils sont arrivés à être plus de 80. C'était vraiment, ça répondait à une nécessité, parce qu'il disait il faut que la foi ne passe pas que par les femmes, il faut aussi qu'elle passe par les hommes. Et aujourd'hui, on pourrait voir dans les paroisses comment ça se passe, je crois que les femmes ont toujours le premier prix, les hommes un petit peu à la traîne. Cette démission de l'homme ne se limite pas aux sphères religieuses et ecclésiales. Avec le rejet de l'autorité en mai 68, le rejet de la paternité et l'égalitarisme et les revendications féministes, l'homme se voit privé de ses prérogatives masculines, ce qui achève de dévaluer son rôle à ses propres yeux et le démobilise. C'est exactement ce que nous disait hier Bertrand Chevalier. Au dire des spécialistes contemporains comme le père Tony Anatrella, psychanalyste, spécialiste en psychiatrie sociale, et Monseigneur Tony Anatrella, les carences d'une éducation sans père sont difficilement récupérables pour la structuration de la personnalité de l'enfant et du jeune. Mais bonne nouvelle, il paraît que les cours au cœur des hommes peuvent, en quelques jours, parer à cette déficience. En tout cas, si on ne part pas sur déficience, les répercussions au niveau social, délinquance, violence, drogue, viennent s'ajouter à tous les autres désordres d'un monde que l'homme cherche à édifier sans Dieu et qui débouche aujourd'hui dans le transgenre et toute cette perte d'identité sexuelle dans des choses qui sont les plus évidentes. Donc nous voyons par là comment la destruction de l'homme mène à la destruction de la famille et de la société. Destruction dont les enfants et les femmes sont les premières victimes. De plus, tout ce qu'on essaiera de faire pour la promotion de la femme, la juste promotion de la femme, et l'éducation des enfants, sera voué à l'échec tant que l'homme ne se convertira pas. Il est donc urgent d'arracher l'homme au tourbillon des affaires pour lui faire comprendre l'unique nécessaire. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Il est urgent de lui rappeler sa mission de créature privilégiée, placée au-dessus de toutes les autres pour les mener à leur but, les orienter vers le Créateur dans le respect de ses lois. C'est vraiment dans la vision spirituelle, la vision totale dans le plan de Dieu que l'homme trouvera d'une part, s'enthousiasmera pour son rôle et il trouvera aussi la force de le réaliser. Il est consolant aussi, par ailleurs, de voir la ferveur des hommes lorsqu'ils retrouvent leur Seigneur, le sérieux et l'efficacité de leur engagement lorsqu'ils se mettent à la suite du Christ, qui mettent toutes leurs capacités d'organisation, leurs forces, leur puissance aussi, pour faire régner le Christ. Un homme qui a touché le Christ, un homme qui a senti le Christ, ce n'est pas un homme de plus, c'est une armée de plus, disait le père Valet. Donc la dame auxiliaire, c'est une femme qui a compris l'importance et l'urgence de cet apostolat. Cette compréhension ne se trouve pas toujours au départ. On peut faire une retraite, sympathiser avec la communauté, et c'est petit à petit qu'on découvrira l'importance de cet apostolat. On peut dire également de ça pour nous les sœurs. Une jeune fille qui nous connaît, elle ne réalise pas forcément dès le départ qu'est-ce que c'est que la vocation de coopératrice pour s'occuper des hommes,
Bon, certaines heures disaient pour moi, vraiment, vous voyez, c'était religieux, c'était là, mais je n'avais pas saisi l'importance de la chose. C'est après qu'elle le découvre, et qu'on découvre comment, en nous-mêmes, on a, ça résonne profondément, on a des attentes qui correspondent tout à fait à ça. Parce que la graine de la vocation, elle est mise dans le cœur, mais on n'est pas conscient dès le départ de toutes ces virtualités. Voilà pourquoi c'est important de revenir de temps en temps sur ces fondements, sur l'essence de la vocation de la dame auxiliaire. Deuxièmement, je disais une femme qui coopère à la conversion et à la sanctification de l'homme. Elle a compris l'importance de cet apostolat, maintenant on va voir comment elle peut y participer. Alors le premier point, c'est par sa prière. Une œuvre éminemment surnaturelle. Une œuvre qui dépend de la grâce de Dieu. C'est plus difficile de faire du bien à une âme, disait Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, plus difficile que de faire lever le soleil en plein minuit. Ça nous dépasse absolument. Donc la prière, ce sera le levier qui est le plus efficace pour propulser en avant cette œuvre. D'ailleurs, quand le Père Vallée a voulu fonder les coopératrices, un prêtre lui dit, Père Vallée, vous qui êtes intelligent, vous faites encore une congrégation religieuse féminine en plus. Mais comme il y en a déjà tellement. Et il dit, ah mais c'est que j'ai besoin d'un corps d'âme priante. Et le premier nom qu'il donnait dans son premier projet, parce qu'il avait projeté les sœurs dans les années 1925-1926, il a pensé à fonder des religieuses avant de fonder les coopérateurs. Parce qu'il aurait souhaité lancer cette œuvre tout en étant jésuite. Il se sentait pleinement jésuite, fils de Saint-Ignace, et pleinement dans son centre. Enfin, la congrégation, les jésuites, c'était sa mère, la compagnie, c'était sa mère. Et pour lui, ça a été une mort de devoir la quitter. Mais par contre, il voyait la nécessité d'avoir des religieuses qui consacrent toute leur vie à prier pour cette intention si importante. Après avoir demandé aux dames leur participation, aux dames auxiliaires qu'il a fondées en 1922, plus tard, quand il a pensé à fonder plus tard des religieuses. Parce que combien de grâces il faut pour obtenir qu'un homme se décide à faire les exercices? D'ailleurs, Bertrand Joly disait, pour décider d'aller à un camp optimum de 3 jours, il leur fallait beaucoup de grâce. Pour une retraite de 5 jours, je pense qu'il en faut encore plus, parce qu'ils ne sont pas forcément attirés par le spirituel. Et pour qu'ils viennent faire les exercices, pour qu'ils les fassent bien, parce qu'on peut venir faire les exercices et puis passer à côté aussi. Et puis enfin, pour qu'ils persévèrent et rayonnent sa foi. Donc il y a la préparation, la réalisation des exercices et après les exercices, service après-vente. Donc voilà, d'être qu'occupé une légion d'âmes priantes. Alors quelle prière? Quelle prière faire? Dans cette souple association que vous formez, les obligations de chacune restent très légères, de façon à être compatible avec le devoir de l'État et les autres engagements d'Église s'il y en avait. Il ne veut pas que ce soit cette association ne doit pas être encombrante. C'est quelque chose de souple, accessible à tout le monde pour qu'il y ait le plus grand nombre possible qui y participe. Il avait même dit, si une dame me promet de réciter chaque jour un autre père et un je vous salue pour la conversion des hommes, je la considère comme une dame auxiliaire. Plus tard, il leur a suggéré de dire une dizaine de chapelets par jour. Alors elles faisaient des réunions, au début elles étaient 12. Les dames se sont dit entre elles, mais une dizaine de chapelets chacune, si on est 15, on dit le rosaire tous les jours. Chacune, alors elles se partageaient les mystères, elles prenaient pendant un mois entier le même mystère. Et puis le mois suivant, comme ça elles passaient tout le rosaire, mais tout le rosaire était dit pour les retraitants. Donc ça, après, c'est chaque fois, on peut renouveler, on peut diversifier cette manière de collaboration, c'est très souple. Alors la prière en commun étant particulièrement écoutée du Seigneur, si 2 ou 3 s'unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Donc il est laissé à chaque groupe de voir comment se retrouver de temps en temps et avec quelle fréquence. Ça, vous pourrez voir entre vous, ça peut être une question à débattre dans les partages après les partages qu'il y aura cet après-midi.
et même ce matin. Et là, je fais une petite parenthèse sur les groupes. Quand vous êtes plusieurs dans une même zone, pas très loin, mais une zone assez rapprochée, qui n'est pas besoin de faire des 36 km pour se réunir, c'est très conseillé de faire des petits groupes locaux, sur la paroisse ou sur plusieurs interparoisses, pour s'encourager à prier ensemble et puis faire des projets apostoliques. Ça fait des petits groupes de dames auxiliaires. Et après, ici on se réunit, ici il y a un groupe qui est basé ici, qui se réunit tous les mois. Ça peut être une réunion avec une fréquence mensuelle. Ça peut être dans la région de Lyon, ça peut être en région parisienne, ça peut être souvent là où vous vous trouvez, ou à Nîmes, je sais qu'il y en avait d'autres fois. Donc c'est peut-être une occasion de relancer un petit peu les choses. Avec le confinement, beaucoup de choses sont tombées à l'eau. Et peut-être c'est une occasion, cette rencontre d'aujourd'hui peut être une occasion de ressusciter ou de créer ces petits groupes qui sont très importants. Après, il y a des prières formelles comme ça, mais il y a la prière du cœur. La prière, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est un élan du cœur, c'est un regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance, un cri d'amour, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. C'est quelque chose de grand, de surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Cette prière du cœur, on est invité à la faire continuellement. C'est le cœur à cœur avec Jésus. C'est aussi cette invitation qui nous est faite, nous, dames auxiliaires et à nos coopératrices, d'être Marthe et Marie, nos modèles. Être Marie, la dimension contemplative qui est essentielle dans notre vie de baptisée et notre vie de consacrée. Donc ça, ce sera un cri vers Seigneur, « Ah, oh, Seigneur, qu'il fasse une recelle !» Un cri pour la christianisation, le retour à Dieu de la société, pour la conversion des hommes, pour... Et puis quand on a des choses plus... des épines plus grandes dans le cœur, pour la conversion de mon mari, de mon fils, combien d'intentions, combien de personnes nous connaissons, qui pourraient, avec profit, faire une retraite et qui en sont bien, bien, bien éloignées. Donc voilà, c'est une prière continuelle. Et au-delà des formules qui sont des aides mais qui restent courtes, il y a toute une attitude du cœur faite d'amour filial et confiant en Dieu notre Père. Dieu que nous voulons voir aimer, glorifier. Dieu qui nous a confié ces êtres chers qui nous entourent et que nous devons aider à aller vers lui. Nous ne savons pas comment faire. Cette prière-là est continue. C'est un petit feu qui brûle sans cesse. Un cri d'imploration à la miséricorde pour qu'elle se répande sur les retraitants, sur les prédicateurs, sur le monde entier. Prier et faire prier aussi. Faire prier à cette intention les enfants, surtout lorsqu'un membre de la famille est concerné par la retraite, leur apprendre à offrir des sacrifices. Nous avons d'émouvants témoignages dans les archives de Nazareth. Sur le frère Maigre, quand il rendait les archives, il nous a fait passer pour des petits papiers comme ça, écrit d'une main enfantine. Nous n'avons pas sauté sur les lits, sauté ER, sur les lits. Bon, c'était le gros sacrifice qu'ont fait les enfants pendant la retraite du papa. D'habitude, c'était le grand. Sauter sur les lits, s'envoyer les coussins à la figure. Bah, ils ont été sages. Ils n'ont pas fatigué maman. Faire prier aussi les malades à cette intention. Eux qui sont unis au sacrifice du Christ et qui ont besoin de sentir que leur souffrance n'est pas vaine. Et si on leur donne, confie des intentions, ça les motive. Ça. Je me rappelle d'une visite faite à une dame auxiliaire très âgée, elle avait 90 ans, je crois. C'était, et on était avec son mari de Jésus, donc j'étais toute jeune postulante. Et elle m'avait cette dame qui m'a impressionnée, une dame âgée, toute recroquevillée dans son lit. Et elle avait son chapelet. Je passais comme ça continuellement dans ses doigts, même quand elle parlait. Elle dit, oui, mais je prie pour les retraitants, je prie pour les retraitants. Hein, c'était... Mais ça, unir à la souffrance, ça a un grand poids. Et justement, ça aide les personnes, si vous visitez quelquefois des malades, ou si ça peut être une occasion de leur offrir cette perspective qui va leur faire comprendre pourquoi le bon Dieu les laisse encore sur la terre, à cet âge avancé, cette inutilité. Mais non, hein, c'est vraiment le grand support du monde. Enfin, pour appuyer cette prière, il y a l'offrande de toute sa vie. Dans l'abandon à la volonté du Père,
et l'accomplissement fidèle de ce qu'il nous demande. Ceci nous amène au point suivant, qui est agir par son comportement. Travailler à la conversion de l'homme par son comportement. La femme a sur l'homme un impact dont elle n'est pas toujours consciente. Même si apparemment il entend bien se déterminer par lui-même, décider les choses sans vouloir la consulter ou sans penser à le faire, la manière d'être de la femme le conditionne, pour le bien ou pour le mal. Auprès de l'homme, chaque femme peut être Ève ou Marie, celle qui le fait tomber ou celle qui l'aide à se relever et à donner le meilleur de lui-même. Pénétrée de l'importance non seulement du salut mais aussi de la sanctification de l'homme, la dame auxiliaire aura souci de fomenter les conditions qui l'aideront à y tendre. Les conditions au plan humain et au plan spirituel. Et au plan humain, la grâce suppose la nature. La femme doit veiller à assurer l'équilibre dans le respect des rôles de chacun. Elle ne doit pas céder à la tentation de tout faire, elle. Au contraire, elle doit aider l'homme à assumer ses responsabilités dans la marche de la famille, l'éducation des enfants, l'engagement ecclésial, etc., même si cela représente pour elle un vrai renoncement. Il faut qu'elle s'efface pour laisser la place à l'homme. Et aujourd'hui, c'est ça qui a la tentation de la femme de tout envahir, et surtout, quand l'homme se retire, elle a champ libre, et il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose dont elle se croit autorisée à le faire, alors que peut-être son rôle, c'est d'aider l'homme à le faire, à faire faire. Il y a beaucoup à creuser dans ce point-là. Et voir, par exemple, le comportement de la Vierge Marie dans la Sainte Famille. C'est Joseph qui prend les décisions. Dans nos contemplations, ne perdons pas de vue ce point-là. Au plan spirituel, lorsqu'il s'agit de convertir un homme, de l'aider à revenir à Dieu, à faire les exercices spirituels, la femme peut aussi jouer un rôle déterminant par son doigté et sa douce persévérance. Dans le cas où l'épouse du nouveau retraitant n'a pas fait elle-même les exercices, là aussi, donc douce persévérance pour le persuader de faire les exercices, il y va. Il y a des hommes qui se décident par eux-mêmes, qui vont faire la retraite, qui reviennent. Alors il faut aussi que la femme l'accueille, sache l'accueillir. Et nous avons eu des cas mais spectaculaires où l'homme revenait tout feu tout flamme et la femme, elle était noire et ça a été fini. Là, cet homme, il était capable de conquérir Valence tout entière parce qu'il était de Valence. Et puis, sa femme l'a gelée, l'a glacée et ça a été fini. Il n'a jamais revenu aux réunions de retraitants ni rien. Alors c'est peut-être une mission de la dame auxiliaire, si elle connaît le cas, si elle a conseillé une de ses amies d'aider, ou si elle a même contribué à emporter le morceau, que le mari soit allé faire la retraite, qu'elle la prépare au retour. Parce que parfois l'homme, par un zèle, peut être inspiré d'un zèle trop intempestif, une fougue trop naturelle. Des enfants de retraitants me disaient, c'est des bons valaisans, bien carré, peu écarri, qui arrivait alors, allez les gamins, bouclez la télévision, à genoux on dit le chapelet. Pour eux c'était des exigences, ils devaient se reprocher de ne pas avoir assez bien élevé ses enfants pour leur faire prier ensemble, et ils voulaient remédier à ça tout de suite. Mais il faut parfois que la dame essaye sans éteindre la flamme, qu'elle lui fasse comprendre qu'il faut aller doucement, qu'il faut atterrir en douceur, afin de ne pas braquer l'enfant et tout l'entourage qui n'ont pas vécu la même réalité spirituelle. L'impact du comportement de la femme ne se limite pas au cadre familial. Partout où elle passe, elle peut créer une atmosphère de bien-être ou de malaise. La femme légère qui se laisse aller à son désir de plaire ne se doute pas des passions qu'elle éveille chez les hommes qu'elle côtoie, des combats qu'elle provoque, des chutes dont en partie elle portera la responsabilité. La femme sage, par contre, la jeune fille posée, pacifie l'homme, incliné déjà de soi et dominé parfois par de fortes inclinations passionnelles.
La conduite sensée et prudente de la femme le tranquillise, l'apaise et l'ouvre à des horizons plus nobles. La sagesse inspire le respect et l'amour, elle donne de l'ascendant. Mieux aimée et respectée des hommes qui la côtoient, l'influence de la femme s'amplifiera et rendra possible une action spirituelle plus profonde, plus efficace, plus solide auprès d'eux. Ça, c'était textuel dans l'exposé des dames auxiliaires de Santo. La modestie, vertu si propre à la femme chrétienne, reflet de l'innocence et de la pureté du cœur, constitue une expression de la sagesse et contribue beaucoup à inspirer le respect et l'ascendant dont nous parlons. Elle se reflète dans le regard, la démarche, la tenue, le vêtement. Saint Paul recommande aux femmes la pudeur et la sobriété dans leurs vêtements, que les femmes aient une tenue décente, une parure pudique et modeste. Décence peut très bien rimer avec élégance. La simplicité et la modestie, ça c'est Saint François de Sales, est sans doute, la simplicité et la modestie est sans doute le plus grand ornement de la beauté et la meilleure excuse pour la laideur. Du point d'humour de Saint François de Sales. Parlant des tenues légères, il ajoute « On y pense pas mal, mais le diable en y pense toujours. Pour moi, je voudrais que mon dévot ou ma dévote fussent toujours les mieux habillés de la troupe, mais les moins pompeux et affectés. Soyez propres, filotés, qu'il n'y ait rien sur vous de traînant et de mal agencé. C'est un mépris de ceux avec lesquels on converse d'aller entre eux en habits désagréables. Mais gardez-vous bien des vanités, affecteries, curiosités et folâtreries. Si à cette époque le danger était dans le trop de garniture, aujourd'hui il est sans contredit dans le pas assez. Ou si vous voulez, dans le trop court, trop serrant. Ou si c'est long, trop fendu. Il viendra des modes qui offenseront beaucoup notre Seigneur, avait appris de la Sainte Vierge Jacinthe à la voyante de Fatima. Si les femmes aux tenues immodestes savaient quels sentiments elles éveillent chez les hommes, elles en rougiraient jusqu'à la racine des cheveux. C'est un non contemporain qui dit ça. C'était le neveu de Sœur Marie de l'Incarnation, qui est aujourd'hui prieur général de la Grande Chartreuse. Voyez ce qu'il écrivait à ses nièces. Quand la femme livre ainsi sa chair en pâture à tous les regards, en particulier les plus impudiques, elle choisit par là même de devenir objet de désir, objet, chose. C'est sa propre dignité humaine qu'elle bafoue elle-même en ne voilant pas ce qui ne peut être dévoilé dans l'intimité qu'à un regard profondément aimant. Je sais bien qu'une jeune fille aime attirer les regards, mais réfléchissez, quel regard souhaitez-vous attirer ? Ou pour mieux dire, quelle qualité de regard souhaitez-vous trouver dans les regards qui se posent ou se poseront sur vous ? Vous me direz, mais aujourd'hui tout le monde s'habille ainsi. Et c'est vrai, nous ne contentons que trop, et c'est là le problème. Car on ne peut pas empêcher l'impact lié normalement à ce que l'œil perçoit. La femme doit savoir qu'ainsi elle peut mettre en branle chez l'homme des réactions difficiles à gérer, et que la charité lui demande de l'éviter. Surtout que c'est facile. Elle n'y perdra rien. La mode n'est pas innocente. Pour avoir l'homme déshabillant la femme, c'était proposé la franc-maçonnerie dans les années 1900. La corruption des mœurs actuelles donne à penser que le moyen fut efficace. Alors vous comprendrez bien qu'une œuvre destinée à la conversion et la sanctification de l'homme ne peut fermer les yeux sur ce problème. Elle se doit au contraire d'en faire prendre conscience à la femme et aux jeunes filles. Et si vous, femmes chrétiennes, n'opposez pas une digue à ce courant qui peut entraîner bien des chutes, qui le fera ? C'est à vous de réagir, même si cela semble dur, parce que vous vous sentez seul. Mais pensez que de par votre foi, vous êtes un point de référence pour beaucoup d'autres femmes, et soyez sûrs que votre témoignage silencieux aura un grand impact. Troisième action de la femme, après son comportement, son zèle apostolique. Alimentée par la passion du règne de Dieu dans les âmes, vivifiée par une prière simple et continue qui touche le cœur de Dieu, autorisée par un comportement qui inspire respect et ascendant,
le zèle apostolique des dames auxiliaires pourra produire toute son efficacité. Vous qui m'écoutez, vous avez un père, un mari, des frères, des fils, des amis, des collègues de travail. Vous connaissez l'efficacité des exercices et les merveilles qui se réalisent dans chaque retraite. Voilà donc un plan apostolique tout tracé. Ce que femme veut, Dieu le veut, dit-on. Avec vous et toutes celles que votre zèle enflammera, nous aurons bientôt fait de gagner le monde entier. Sans besoin d'aller prendre des grades académiques pour prêcher nous-mêmes, on met les hommes dans une ambiance privilégiée. Ils sont évangélisés par 5 jours intensifs, s'aidant mutuellement les uns les autres, et bien là, c'est fait. Mais ce moyen idéal ne réussit que s'il y a des bonnes âmes qui amènent les hommes à la retraite. J'aime à considérer nos maisons de retraite comme des hôpitaux. Le pape François disait hôpitaux de campagne ou de brousse. Eh bien, dans ces hôpitaux, il faut des médecins, des infirmières, des spécialistes, mais il faut aussi des brancardiers, des gens, des ambulanciers qui amènent. Si personne n'amène les malades, qui sont si malades, il faut les amener à l'hôpital. Si personne ne le fait, rien ne se passera. Donc voilà l'importance du recrutement. Et c'est difficile et c'est ingrat. Parce que pour un oui, il faut vous exposer à 100 non, disait le père Valéry. Donc ça peut être usant, ça peut être. Mais même s'il n'y avait qu'un oui, c'est vraiment une âme de plus gagnée au Seigneur, ça n'a pas de prix. Donc ça, là. Il y a d'autres formes d'aide aussi, de venir passer quelques jours, venir régulièrement. Nous avons des dames repasseuses qui viennent une fois par mois, le tournus. Il y en a qui peuvent disposer d'une semaine et qui viennent aider. C'est très précieux. Ça nous permet de tenir toutes nos positions, malgré le manque de vocation. C'est vraiment le partage de la spiritualité et du travail apostolique. Mais ce n'est pas... Bon, on pourra en parler une autre fois, il y a encore d'autres aspects que la femme peut faire. Vous pourrez vous-même d'ailleurs réfléchir, parce que les aides apostoliques ponctuelles, ou les aides ponctuelles à nos maisons de retraite, sont conditionnées par le devoir d'état de chacune. Donc c'est plutôt avoir en particulier, ou avoir vous en groupe, si vous avez des idées, parce que vous pouvez avoir très bien des idées, bonnes initiatives. Enfin, le troisième aspect que le père Vallée avait fait développer à une des dames de Salto, c'était la dame auxiliaire, une femme qui a l'exemple de la Vierge Marie et des saintes femmes. Les saintes femmes de l'Évangile coopèrent à l'éclosion des vocations sacerdotales et prient pour la persévérance des prêtres et pour leur ministère. Aujourd'hui, justement, journée des vocations, c'est bien d'évoquer ce rôle spécial de la dame auxiliaire comme la coopératrice aussi de prier pour les prêtres. Et aujourd'hui, avec toutes ces malheureuses histoires d'abus et compagnie, tout ce que le sacerdoce est traîné dans la boue, combien de prêtres sont humiliés sans être fautifs par ces doutes qui sont levés contre eux. Et voilà, il faut vraiment les soutenir parce qu'il y a aussi des chutes réelles. Les prêtres sont des hommes fragiles. Et il faut... et aussi qu'on prie pour eux, pour leur persévérance. Et on remarque donc que Jésus-Christ a voulu, pour lui aussi et pour ses apôtres, cette contribution féminine à leur ministère. Alors là, c'est Lucie Tafernaberi, c'était sans doute une descendante de Basque, oratrice de l'Assemblée de Santo, dont j'ai déjà parlé, dont je vais citer un passage, là, c'est elle qui parle. Dans le style de l'époque, ces paroles sont cependant tout à fait actuelles et préludent à la belle lettre au prêtre écrite par Jean-Paul II sur le rôle de la femme dans la vie du prêtre. C'était au Jeudi Saint de 1995. La vie du premier prêtre se déroula, je cite la dame, se déroula il y a 20 siècles, illuminant des rayons qui émanaient de son aimable personne la silhouette de quelques femmes choisies, présidée par Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, et la Reine des Apôtres. Ces femmes qui se trouvèrent au calvaire
sans avoir goûté les douceurs du tabord, contraste avec les hommes qui goûtèrent le tabord sans apparaître au calvaire. Ces femmes, je le répète, surent entourer le premier prêtre d'une chaude atmosphère d'affection très pure, de la crèche au tombeau, passant par les heures incomparables de paix et de tendresse, havre de la vie humaine de Jésus, où se reflétait la vie du ciel, heures passées dans la douce maison de Béthanie, heures d'angoisse du calvaire endurées sans défaillir. En récompense de leur amour, les yeux des femmes qui le contemplèrent aimant durant sa vie, qui, pleins de compassion, le pleurèrent mort, furent les premiers illuminés des splendeurs de la résurrection. Si toutes, nous ne pouvons remplir l'office de Marthe auprès de nos prêtres, du moins pourrons-nous remplir l'office sublime de Marie, prière et sacrifice, et aussi amour, amour respectueux et surnaturel. Voilà ce que nous pouvons, nous femmes, donner au Christ, qui n'est pas mort, mais qui vit dans les membres de son corps mystique, particulièrement ceux qui constituent la hiérarchie de l'Église. Fin de citation. Cela implique bien sûr une attitude qui n'admet pas d'ambiguïté. La sagesse et la modestie devront inspirer encore davantage le comportement de celles qui veulent vraiment aider les prêtres à se sanctifier dans la fidélité à leur consécration. Donc réserve et discrétion dans les attitudes et les gestes. Toute femme, et d'autant plus une dame auxiliaire, ne peut et ne doit pas se permettre des familiarités avec les prêtres dans le langage comme dans le comportement. Et ne doit pas se permettre dans le langage et le comportement, quel que soit leur âge. Il ne faut pas se croire trop vite grand-mère. Hein. Je peux me permettre ça, mon âge. C'est une réalité qu'il nous faut également apprendre à nos jeunes, particulièrement aux adolescents, dont la tenue et l'attitude devant les prêtres laissent parfois songeur. Les prêtres sont des hommes, ils ont leur fragilité, leurs heures de combat, particulièrement aiguës dans le contexte de la civilisation contemporaine, rempli d'hédonisme, d'égocentrisme et de sensualité, fait noter le Saint-Père dans sa lettre aux prêtres pour le Jeudi Saint 1995. On assiste à une diffusion, c'est le pape qui parle, de la pornographie qui humilie la femme dans sa dignité en la traitant comme un simple objet de jouissance sexuelle. Les aspects de la civilisation actuelle ne favorisent certainement pas ni la fidélité conjugale, ni le célibat pour le royaume des cieux. Et comme antidote à ces agressions, le pape indique la présence de la femme aux côtés du prêtre comme mère et comme sœur. Comme mère, à l'exemple de Marie, mère du prêtre, la femme qui a la grâce de voir un de ses fils appelé au sacerdoce. Mère du prêtre aussi, toute femme qui, par ses ardents désirs, sa prière et ses sacrifices cachés, obtient du maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Et à côté de la figure de la mère, le pape met en relief celle de la sœur, en vertu de la relation de fraternité qu'établit la rédemption entre les baptisés. La sœur, dit-il, représente une manifestation spécifique de la beauté spirituelle de la femme. Mais elle révèle en même temps son intangibilité. Le don désintéressé d'une féminité fraternelle baigne de lumière l'existence humaine, fait naître les meilleurs sentiments dont l'homme soit capable, et laisse toujours après lui une trace de reconnaissance pour le bien gratuitement offert. Donc voilà, pour fêter ces 100 ans des dames auxiliaires qui, pour diverses raisons, la raison de notre chapitre, et n'avaient pas pu avoir lieu en 2022, mais cette réunion voulait le célébrer un petit peu, et que justement ce soit l'occasion de raviver pour celles qui déjà sont entrés dans cette mode d'évangélisation, dans ce souci, et puis pour celles qui ne connaissent pas, qu'elles voient, si cela correspond, si elles sentent en elles cette inspiration, elles comprennent qui pourra, et si elles arrivent à comprendre justement ces nécessités. Je voulais lire une phrase d'encouragement que nous avions eue, une fois que nous étions allés à Rome avec Sœur Isabelle Marie, mais une autre fois aussi, où on nous avait dit « Oh, votre spécificité pour les hommes était très, très importante et très nécessaire au temps de votre fondateur. » Mais aujourd'hui, 100 fois plus. Aujourd'hui, beaucoup plus importante et urgente.
Et il avait ajouté, il nous encourageait donc beaucoup à continuer cela. Et à la fin, il disait, cette inspiration du Père Vallée à cette œuvre d'hommes adultes, son actualité d'aujourd'hui, il nous encourageait en nous disant, le jour où cela marchera, ce sera une résurrection pour l'Église. Et il voulait dire, le jour où vous arriverez à constituer ces noyaux d'hommes convertis, sanctifiés, et qui entourent leur curé, et qui sont des inconditionnels pour travailler apostoliquement à côté de lui, pour former ces paroisses solides et évangélisatrices, eh bien ce sera une résurrection pour l'Église. Là, c'était un grand encouragement. Et je pense que, eh bien, ça... Il suffit que ça... Enfin, il s'agit, cela nous concerne chacun, hein, et ça dépend aussi de nous que ça marche. Parce que si nous nous y mettons chacune à notre place, le peu que nous pouvons, hein, entre toutes, nous pourrons beaucoup. Le Seigneur ne nous demande pas plus non plus que de faire notre vocation, mais à notre place, hein, si chacun agit, eh bien nous arriverons au résultat, si désiré, hein, de retourner notre monde vers Dieu. Voilà. Donc vous avez maintenant un moment de réflexion, ça vous avez marqué à mieux pour le... Oui, elle va vous donner à chacune. J'ai pour... Ah, je ne sais pas parler de ça. Non, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a ce petit livret qui vous donne tout le plan du Père Vallée. Donc, idéal, étendre le règne du Christ sur toute la terre. Pour cela, fondation d'une œuvre de laïcs, des hommes, qui vont à la conquête des hommes et du monde. Et au service de cette œuvre d'hommes, les congrégations, les coopérateurs paroissiaux, les coopératrices paroissiales et les dames auxiliaires. Voilà. Ils sont mis en relation, à côté, enfin dans le schéma, à côté des sœurs, parce que vous verrez comment vous êtes appelés à faire dans le monde ce que nous faisons avec l'esprit, si vous voulez, le même esprit que le nôtre, et vous pouvez faire dans le monde ce que nous ne pouvons pas y faire. Voilà, vous êtes au cœur de la place et vous atteignez des points que nous n'arrivons pas à atteindre directement. Et donc vous êtes pour nous des collaboratrices, mais qui prolongent cette action et donc qui ont dans le plan de Dieu une vraie vocation à cela. Et alors là, pour celles qui ne l'ont pas encore, je peux vous donner cette petite image, parce que dans les prières qu'on peut faire pour les hommes, vous pouvez aussi prier pour nos congrégations, pour qu'on remplisse nous aussi le plan du Seigneur. Alors dans ce petit feuillet, il y a une prière pour les congrégations, et puis une prière qu'a composée une dame auxiliaire de la région, mais qui est décédée là maintenant, qui s'adresse à la Sainte Vierge et aux Saintes Femmes, qui sont nos patronnes. Alors, il y a un petit feuillet à l'intérieur, pour celles qui se sentent, qui ne l'ont pas encore fait, qui se sont désireuses, eh bien, d'adhérer à cette souple association des dames auxiliaires. Donc vous, ça, vous l'avez déjà. Et cet après-midi, enfin, je ne sais pas si vous le direz, ça, j'avais Marie. Pardon. Cet après-midi, donc on sera invité à la fin des vêpres. Alors, je vais peut-être faire au moment du chapelet. Ah, au moment du chapelet, d'accord. Peut-être, parce qu'après, il y a des entre nous. Alors, à celles qui sont déjà engagées comme dame auxiliaire, eh bien, de renouveler votre engagement. Et je vous donnerai une petite prière que vous récitez. Alors, je ne sais pas si vous avez... Alors, le point de débat... Le point que vous pouvez débattre ensemble, là, c'est de voir concrètement, moi, dans ma situation, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire participer à un groupe? Ou comment je me connecte avec l'autre? Concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Et si j'ai des idées particulières de manière dont les femmes aujourd'hui pourraient collaborer à cette... Pour enrichir notre... Arsenal. Voilà. Vous avez maintenant. Donc... Alors, vous avez un petit carton. Il n'y a plus que 10 minutes de réflexion personnelle. Et puis, dans 10 minutes, vous retrouvez vos groupes, les mêmes groupes que vous avez donnés. Et pour celles aussi qui ne connaissent pas, on a fait ce petit feuillet qui est un petit résumé. Bref, c'est ce que Sœur Marie-Joseph vient de nous dire. Là, vous pouvez prendre pour faire connaître éventuellement. Je le mets sur son bureau.
Merci.